Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis deux décennies. L'audace est le moteur de tout. Cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ici pour ce week-end au sein de la Cité de la Réussite, avec une place cette année faite à l'audace, on l'espère en tout cas, et pour ce débat intitulé Écologie et justice sociale, l'audace d'une convergence. Alors, l'écologie ne serait-elle qu'une arme de destruction massive brandie par des élites bobos au détriment des prolos.
Souvenez-vous du débat sur la taxe carbone, dont tous les candidats à la présidentielle 2007 avaient pourtant acté le principe. Désingué, abandonné, plus de taxe carbone. Et pourtant, remplacé depuis par la contribution climat-énergie. Souvenez-vous de la révolte des bonnets rouges contre l'écotaxe, pourtant décidée par une majorité de droite et votée par une majorité de gauche. Démonté, abandonné, plus de portique, plus d'écotaxe. Au fil des hystéries médiatiques, l'écologie est désignée comme ennemie des pauvres, de la justice sociale, de l'emploi. D'un autre côté, on découvre que les plus faibles sont aussi les premières victimes des désordres écologiques. L'ouragan Katrina a frappé les quartiers les plus pauvres de la Nouvelle-Orléans. La canicule de l'été 2003 a fauché les populations les plus isolées. Jeannette Curie, chercheuse de l'université de Princeton, a démontré comment, dans les familles défavorisées, l'environnement malsain dans lequel se déroule la grossesse d'une maman engendre des faiblesses sanitaires chez l'enfant, puis des scolarités hachées et des parcours professionnels décousus. Santé, emploi, logement, énergie. Peut-on, avec audace, réconcilier les enjeux écologiques et sociaux ? Et si oui, comment ? C'est là la question que nous allons poser à nos quatre intervenants, que je vais vous demander d'accueillir. Et je commencerai par Chantal Joanneau, qui est sénatrice de Paris, conseillère régionale d'Île-de-France, coprésidente d'Écoloéthique. Et bien sûr, ancienne secrétaire d'État chargée de l'écologie. Et karatéka. Attention à vous. Je vous demande également d'accueillir Berthe Lutz, qui est déléguée nationale adjointe d'ATD CarMonde. Bonjour. Je vous demande d'accueillir Bruno Léchevin, qui est président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Et enfin, nous rejoint Bernard Devers, qui est président fondateur d'Habitat et Humanisme. Merci de l'accueillir. Alors, un tout petit mot sur la règle du jeu. Nous allons échanger avec les invités pour vous les présenter et leur permettre d'évoquer leurs premières idées sur le débat qui est posé. Ça va durer à peu près un quart d'heure. À la suite de quoi, des étudiants qui sont au premier rang et qui se présenteront poseront une série de questions. Nous y consacrerons à peu près une demi-heure. Et les 20-25 dernières minutes seront dévolues à la salle. Vous pourrez poser toutes vos questions à nos intervenants. Voilà. Je vous demande d'être dans vos questions les plus concis possible, de bien partager la parole. Vous avez peut-être vu ces petits panneaux sympathiques. Un bon échange vaut mieux qu'un long discours, avec ces symboles, en symbole ces raquettes de ping-pong. Eh bien, essayons de nous appliquer ce principe et de le suivre pendant ces débats. Alors, je commence avec vous, Chantal Joanneau. Bonjour. Bonjour. Qui révisait vos antisèches ? Mais en avez-vous vraiment besoin sur ce sujet ? Non, mais ça rassure. Ça rassure. Bon. Alors, sur la question qui est posée aujourd'hui, d'abord, vous avez vu de très très près les questions écologiques que vous continuez de suivre aujourd'hui, puisque vous l'avez vu pendant le Grenelle de l'environnement. Vous étiez secrétaire d'État à l'écologie. La question vous semble-t-elle bien posée, qui consisterait à chercher par l'audace la réunion de la question écologique et sociale, ou inversement, faut-il considérer que l'une s'oppose systématiquement à l'autre ? Bah, pour avoir la chance d'avoir étudié ici, je pourrais vous répondre oui et non. Et puis en plus, je suis normande. Simplement, effectivement, sur la question entre l'audace d'une convergence entre écologie et justice sociale, aujourd'hui, l'audace, effectivement, elle se définit de deux manières. C'est soit avoir du courage, soit aller contre les conventions sociales. Et je pense que j'ai plutôt préféré la deuxième définition, donc la capacité à remettre en question les conventions sociales. Aujourd'hui, la convention sociale, c'est d'estimer qu'il y a une opposition entre les deux. Or, quand on regarde les faits, vous l'avez très bien dit, les faits, c'est quand même
40 ans de crise dite conjoncturelle qui en réalité donc est structurelle, avec une dégradation croissante de l'environnement dont le prix est payé par les plus défavorisés. C'est vrai de la question climatique, hein, il y a des projections qui ont été faites et qui montrent que ce sont les pays les plus pauvres qui seront le plus touchés par les questions climatiques. C'est vrai des questions santé-environnement. On a des tas d'études qui nous montrent que dans le domaine de la qualité de l'air, dans le domaine du bruit, dans le domaine de beaucoup de maladies chroniques qui sont liées à des pollutions environnementales, ce sont les personnes les plus défavorisées qui sont touchées en premier. C'est vrai de la précarité énergétique, mais il y a des personnes bien plus qualifiées que moi qui en parleront tout à l'heure. Or, tout ça, c'est lié à des conventions sociales. La convention sociale étant effectivement de convenir que l'écologie est quelque chose qui se traite quand on a de l'argent. Et que par conséquent, il faut attendre la fin de la crise ou attendre des périodes plus prospères pour pouvoir répondre aux questions écologiques. Et la convention sociale, c'est que le modèle prospère dominant est un modèle libéral et keynésien en réalité, d'ailleurs, puisqu'on peut tout à fait longuement débattre de ça, dont la boussole fondamentale est celle du PIB. Or, là aussi, on voit que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, mais cette convention a la peau dure. Est-ce que on peut vous parliez de déconstruction. Comment on peut s'y prendre pour la déconstruire et revenir un petit peu à une vision de l'écologie qui peut être assez large d'ailleurs. La déconstruction, elle est double. Elle est d'abord par la réflexion et la posture, c'est-à-dire la capacité à identifier les conventions sociales dans tout ce qui nous entoure, dans les modèles de consommation principalement. Le modèle de consommation est typique des constructions sociales, où on vous explique que votre bonheur est lié à votre accumulation matérielle et quantitative. Or, on voit très bien que le PIB continue à croître par habitant en France, mais que le bien-être ressenti, lui, stagne. La déconstruction, elle est dans les systèmes, évidemment, institutionnels. Donc, elle est pour le politique, elle n'est pas évidente. Hein. On y reviendra, je pense, tout à l'heure, parce que c'est difficile d'aller à l'encontre d'un système institutionnel. Mais c'est en cela, l'écologie, elle est extrêmement intéressante parce que l'écologie, au sens littéral du terme, donc la conscience de la maison où nous habitons, elle est scientifique. L'écologie, scientifiquement, nous montre que nous sommes en interaction permanente, pas simplement avec notre environnement, mais avec l'ensemble de la biodiversité qui nous entoure. Vous savez qu'en vous, vous avez plus de cellules non humaines que de cellules humaines. Vous êtes une ode à la biodiversité. Si vous n'aviez pas autant de bactéries en vous, vous ne seriez pas là. Donc c'est une conscience de notre dépendance totale à l'autre, qu'il soit humain ou non humain. Et donc en cela, l'écologie, par la simple réflexion qu'elle nous invite à avoir, nous invite aussi à considérer qu'on ne peut pas vivre bien et dans le bien-être dans une société où les inégalités vont être croissantes. Et c'est en ça que je trouve l'écologie, même dans son approche purement scientifique, hein, elle nous invite à cette déconstruction des conventions sociales. Peut-être même surtout, du coup, pour dépassionner. Surtout, du coup, pour dépassionner. Vous avez un très bon livre que je recommande, qui s'appelle « La vie a-t-elle un sens ?» de Jean-Marie Pelt et Pierre Rabhi, qui justement retrace l'ensemble de la naissance de la vie jusqu'à aujourd'hui et qui vous permet très clairement de déconstruire beaucoup de choses qu'on nous a apprises, y compris sur le darwinisme, y compris sur la domination de la nature. Vous parliez de déconstruire des conventions. Vous appartenez à une famille politique de droite et à un parti qui s'appelle l'UDI, donc qu'on classe plutôt centre-droit, comme on dit. Est-ce que vous avez, évidemment ma question est un peu piégée, mais est-ce que vous avez le sentiment que cette opinion est partagée par vos collègues ? La question n'est pas piégée. elle est orientée, disons. Elle est logique. Non, mes convictions ne sont pas totalement partagées par mes collègues, mais j'ai l'avantage d'être dans un parti. C'est un petit problème quand même. Non, mais moi je suis dans un parti où la parole est très libre. Alors, mes collègues sont très ouverts. Les adhérents de ce parti sont très, très, très engagés, très attentifs. Il y a beaucoup d'adhérents qui viennent de l'économie, de la société collaborative. Ils sont très engagés sur ces sujets-là. Maintenant, c'est vrai que parmi les élus, c'est pas évident non plus de faire franchir les différents pas. Et je vous cache pas que, en plus, le principal problème, c'est que même si on se targue d'être la troisième force politique en France,
on n'est pas vraiment majoritaire non plus, on ne va pas se voiler la face. Donc, au-delà de mes collègues, le vrai sujet politique aujourd'hui, c'est de convaincre l'ensemble de la société civile pour qu'elle vote majoritairement pour des partis qui portent cette parole. Mais la société civile n'est-elle pas proportionnellement aujourd'hui un peu plus convaincue que ne le sont les politiques sur ces questions? Je pense que la société civile, peut-être contrairement d'ailleurs à 2007, quand on avait fait le Grenelle, le politique était très, peut-être un petit peu en avance sur la société. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On voit une société qui bouge énormément, on voit énormément d'articles, de témoignages. Effectivement, je citais l'économie collaborative, mais on en trouve dans beaucoup d'autres secteurs. Et un politique dont la nature des débats, alors tout particulièrement en ce moment, est en régression très très forte. Mais dans le même temps, vous constatez qu'à chaque élection, quand il y a des partis politiques qui portent cette parole un peu différente, je parle évidemment, je porte mon parti, hein, l'UDI, mais enfin il y a des représentants d'Europe Écologie qui portent aussi ces sujets-là et qui les portent très bien. Il y a de tout, mais enfin certains les portent très très bien. On ne peut pas dire qu'ils fassent des scores pharaoniques. Aujourd'hui, les scores démocratiques vont plutôt vers des partis qui ont une parole extrêmement conservatrice sur ce sujet. Donc oui, nous, on peut bouger, mais en même temps, il faut que la société civile, donc vous, c'est-à-dire que c'est la société civile, c'est vous, hein, puissiez aussi créer ce mouvement. Nous ne sommes que le reflet d'une réalité. Donc certains d'entre nous peuvent avoir un petit rôle d'impulsion, mais si on n'a pas plus de représentation et de représentativité, ça va être difficile. Je me tourne vers Berthe Lutz, qui est donc déléguée nationale adjointe à TD Quart-Monde. Vous pouvez prendre le micro. Est-ce que pour vous, les personnes les plus fragiles, les démunies, c'est ce que vous m'évoquiez quand on a préparé ce débat, seraient en fait des écologistes qui s'ignorent, ou en tout cas de vrais contributeurs à la cause? Oui, en effet. Donc là, ça a déjà mentionné que les personnes en situation de pauvreté sont déjà plus touchées par les effets négatifs du réchauffement climatique et d'autres détériorations de l'environnement. Donc je n'ai pas besoin à le redire, sauf à dire aussi que c'est pas nouveau, c'est un peu de tous les temps que les personnes en situation de pauvreté sont reléguées dans des zones moins agréables et plus difficiles, ne serait-ce que voilà, si on pense au phénomène de la basse ville et de la haute ville, où la basse ville évidemment c'est plus humide, il y a un risque d'inondation, etc. Donc il y a aussi foncé de tous les temps. Après, si on a très très peu de revenus, automatiquement presque on va faire un certain nombre de choses qui sont positives, parce que voilà, on va peu voyager, et si on voyage c'est à pied, c'est en prenant les transports publics. On va être obligé d'utiliser des choses qui ont été mises au service par d'autres, des habits, du mobilier, des jouets. On va habiter un peu à l'étroit, donc on occupe moins de mètres carrés, etc. Donc, mais souvent, le problème, c'est un peu que, d'une part, beaucoup de personnes ne sont pas conscientes, elles vivent ça comme des contraintes, sont pas conscientes que quelque part c'est quelque chose de positif qu'ils sont en train de faire. Dit, la façon dont vous nous le présentez est pas très joyeuse quand même. Il est vrai qu'on touche une population de démunis par définition dont la vie est extrêmement contrainte, mais présenter les choses sous ce jour, si l'écologie c'est ça, ça fait pas très envie. Non, en effet. Mais quand même, il y a un départ, c'est qu'il faut reconnaître ça. Parce que, en fait, les personnes en situation de pauvreté souffrent aussi du fait qu'ils sont mal vus. C'est vite fait d'observer qu'ils sont dans un environnement dégradé, qu'apparemment, ils ne font pas ce qui est attendu, ce que font les classes moyennes.
Et donc, voilà, ils ont quand même le sentiment d'être mis hors jeu. Donc, il faut d'abord reconnaître ce qui est là et ensuite chercher avec elles comment elles peuvent vraiment être avec tous les autres dans le développement durable. Et que dit votre expérience d'Athénée Carmonde là-dessus, de leurs inspirations aux populations les plus démunies sur ces questions? J'ai même dit, est-ce que quand on est en situation de survie, on a à se poser ces questions? Donc il y a à chercher, parce que des personnes en situation de pauvreté, ils n'ont pas beaucoup d'argent à investir dans des solutions technologiques qu'on propose à d'autres. Par contre, par exemple, dans le domaine de l'alimentation, il y a beaucoup à chercher. Comment permettre à ce que des personnes de tous les milieux puissent participer à des AMAP? Il y a déjà quelques expérimentations de jardins communautaires, y compris dans des quartiers très, très défavorisés. Et ça, c'est à chercher, c'est pas facile. Et ça contribue à mieux vivre, vraiment? C'est efficace? Oui. Il y a, je pense, à quelqu'un, une femme en Alsace, qui a été entraînée par quelqu'un d'autre à aller cultiver un petit bout de jardin et aussi à planter des choses sur son balcon. Et elle est très positive par rapport à ça. Ça lui fait une différence pour sa propre santé. Il n'y a pas juste le fait qu'elle mange des choses qui sont meilleures. C'est aussi que pendant qu'elle s'occupe du jardin, elle est un peu en dehors des soucis du quotidien. Elle fait de la marche à pied pour y aller. Elle sent que ça a globalement un effet positif pour elle. Est-ce que l'effort apporté sur les questions, on va parler aussi évidemment de transition énergétique et des sujets d'actualité autour de ces enjeux de développement durable et d'écologie, est-ce que l'effort apporté doit être porté par les plus démunis ou est-ce que c'est à la classe moyenne, est-ce que c'est à la classe plus aisée finalement d'en faire un peu plus ou peut-être d'ailleurs d'en faire un peu moins sur certains aspects sur ces questions? Je pense que quand j'entends des personnes en situation de pauvreté dans l'université populaire Carmonde, elles ont envie aussi de participer et de faire des efforts, de contribuer. Après, évidemment, il faut chercher des solutions qui sont équitables. Et par exemple, au niveau du logement. Malheureusement, ceux qui ont peu de revenus, ils sont dans du logement qui est plus ancien, qui est mal isolé, etc. Et donc, où on doit mettre plus d'énergie pour avoir du confort, où souvent on ne maîtrise rien. Dans des immeubles des années 50 et 60, il y a des systèmes de chauffage où voilà, on peut très, très peu régler. Il y a un réglage central puis fini. Et donc, il faut quand même chercher comment, dans ce contexte, les personnes peuvent quand même faire quelque chose. Et voilà, moi, j'ai connu au Québec un programme qui s'appelle Éconologie, un programme du gouvernement, que je trouvais intéressant parce que, d'une part, voilà, en dehors de ce programme-là, on proposait, je dirais, aux gens des classes moyennes, des subventions pour mieux isoler, pour changer leur système de chauffage, pour faire des investissements. Et pour les personnes à bas revenus, eh ben, il y avait un groupe de conseillers qui se déplaçaient et qui faisaient avec les gens, souvent des locataires, un bilan, une analyse de leur logement, chercher ce qui pouvait être amélioré à peu de frais, style changer des lampes pour des fluo compacts, boucher des fentes sous les fenêtres et les portes, etc. etc. Ok. Monsieur Léchevin, qui présidait l'ADEME, cette dimension sociale de l'écologie, c'est pas celle qu'on met systématiquement en avant.
Est-ce que c'est pas là le principal défi à relever ? On parle de DAS là aujourd'hui. Tout à fait. D'ailleurs, quand j'ai vu l'approche, ça m'a fait sourire. Parce que pour moi, ce qui serait audacieux, c'est d'envisager qu'on puisse réussir la mutation écologique au détriment de la question sociale. Il n'y a pas d'écologie réussie si on augmente les injustices sociales. C'est totalement antinomique et on va à l'échec. On ne peut pas l'envisager. Et donc, pourtant, c'est le discours qui est entretenu, y compris dans l'espace médiatique. Sur oui, mais parce qu'on est toujours des grands conservateurs de tout poil, de toutes sortes. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va retrouver le modèle d'hier et qu'on va s'en accommoder et que les questions essentielles pour le futur, on les traitera quand on ira mieux. C'est parce que justement ça va mal qu'il faut les traiter maintenant. C'est parce que c'est compliqué qu'il faut le faire. Et que... C'est quoi la transition énergétique écologique, et pas simplement la loi, parce que la loi ça, qui est en débat, elle est importante, mais une loi, ça ne change pas le monde. Ce qui change le monde, c'est les choses, c'est la dynamique qui évolue. On pourra en reparler. Pour moi, c'est l'émergence d'une société plus sobre, plus préservatrice de la planète, plus préservatrice respect des ressources, plus solidaire et donc moins excluante. Donc évidemment, à partir de ce moment-là, on peut envisager, on peut penser que ce n'est pas possible que dans cette dynamique-là, on n'entraîne pas tout le monde, toutes les classes sociales. Parce que la question, elle n'est pas que technologique, elle est comportementale, elle est la manière de vivre, la manière d'être. Et aujourd'hui, quand on regarde les choses... Là, j'ai un peu un discours qui peut paraître angélique, parce que vous dites, justement, c'est pas ce qu'on entend communément. Et puis, des fois même, quand les politiques avancent, il y a eu des belles avancées sous le Grenelle. On se demande quelques années après où on en est. Et on va voir que les débats au Sénat qui vont venir montreront que c'est plus compliqué qu'on l'imagine, y compris ceux qui ont fait des pas. Ils ont des pas régressifs. Donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas être angélique. Mais pour moi, ce n'est pas possible d'envisager que la dégradation de l'environnement la bataille de l'environnement se fasse contre la justice sociale. Alors, on regarde les choses, et notre ami vient de le dire, ce n'est pas si vert, ce n'est pas si sympa que ça. Les gens qui sont mis de côté, qui vivent dans des HLM ou des fois dans des zones périurbaines à côté des autoroutes, des aéroports, ben, ils vivent la double peine. Dans certains cas, je vais vous citer juste un exemple. Moi, je suis issu du Pas-de-Calais, d'une ville qui est maintenant nationalement connue, qui s'appelle Hénin-Beaumont. Pour les raisons, vous savez, qu'il n'y a pas besoin d'énoncer. Juste à côté, il y avait une usine, Métal Europe. Qu'au nom de l'emploi, on a continué à faire tourner pendant des années avec une pollution maximum. Et un jour, on a dit, c'est plus possible, il faut arrêter. Résultat, on a créé une désespérance, on n'a pas préparé l'avenir. On a tué l'emploi dans une zone déjà totalement sinistrée. En plus, des problèmes sanitaires pour les riverains, sans parler du coût pour la collectivité. Parce qu'on dit, faire de l'environnement, de la justice sociale, ça coûte cher. Ah ben oui, 60 millions d'euros, Métal Europe, pour essayer de rattraper les dégâts. Et ce n'est pas fini. Donc on voit bien que cette question, elle est essentielle et que, bien sûr, l'environnement ne va pas résoudre tous les problèmes de la société. Mais en tout cas, au moins, il ne doit pas les aggraver. Ce qu'on entend dans ce que vous dites de l'exemple Métal Europe, c'est que même si on avait choisi de dépenser un peu plus de façon préventive, peut-être qu'on aurait évité beaucoup, beaucoup, y compris pas seulement sur le plan monétaire, mais sur le plan de dérive sociale, de dérive politique aujourd'hui. De santé, mais oui, parce que l'écologie, pour moi, c'est pas un coût, c'est un investissement. C'est l'inactivité qui va coûter cher. Oui, pour vous. C'est mais clair. Pas que pour moi. Je veux dire, tous les gens qui réfléchissent, qui sont un peu responsables, ils y pensent, ils le voient. Alors, parfois, la classe politique est moins en avance que la réalité de terrain. Mais ça, c'est pas une nouveauté. C'est peut-être une partie de nos difficultés. On est entre nous, hein, on peut dire un peu n'importe quoi. Mais, personne n'écoute. Non, mais c'est parce que souvent, on se dit, mais la transition écologique, ça, c'est du rêve, etc. Et donc, c'est difficile d'avoir des objectifs ambitieux. Mais quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, moi, je vais beaucoup sur le terrain, mais c'est extraordinaire ce qui se passe, tant du point de vue du comportement des citoyens que du point de vue des collectivités, que du point de vue des entreprises. Il y a déjà un mouvement en marche. C'est d'ailleurs ce qui donne de l'espérance. Par contre, et je voudrais rebondir sur le propos de Berthe, il faut accompagner ce mouvement sans exclusion. Donc, qui dit transition énergétique dit, par exemple, qu'il faut assumer le fait que demain, le prix de l'énergie sera plus cher. Il est déjà plus cher. Il va continuer à augmenter. Pour plein de raisons, on ne va pas le développer ici, mais c'est une évidence.
Alors évidemment, quand on est homme politique, et c'est normal, on veut préserver le pouvoir d'achat de tout le monde, on veut préserver la compétitivité des entreprises. Tout ça, c'est évident. Sauf qu'il va falloir payer demain le vrai, le juste prix. Donc le seul moyen que demain la facture augmente moins vite, et ceux qui pensent qu'elle va plus augmenter, ils nous mentent, c'est de faire qu'on consommera mieux, qu'on consommera moins. Mais pour ceux qui ne peuvent pas payer, il va falloir les accompagner. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont même plus les moyens de pouvoir se chauffer dignement. Il faut savoir aujourd'hui, on a fait une étude de l'Observatoire national de la précarité énergétique, on a rendu public il y a quelques semaines, que la précarité énergétique, c'est un système qui explose. Aujourd'hui, c'est près de 11 millions de Français qui sont en précarité énergétique, qui sont dans l'incapacité de se chauffer, de s'éclairer de manière digne. D'où l'importance d'un dispositif, et ça c'est le côté très positif du politique, dans la loi sur la transition énergétique, pour justement que personne soit sur le bord de la route. Il y a deux actions prioritaires, c'est la rénovation énergétique des bâtiments, 44% de notre consommation, c'est fondamental, mais rénover son bâtiment quand on est dans une passoire énergétique et qu'on n'a pas un sou devant soi, on ne peut pas payer, d'où des aides considérables. De ce point de vue-là, pour les familles les plus vulnérables, il y a des aides. Et les aides, ils sont tellement importants que dans certains cas, ils sont quasiment jusqu'à 100% parce qu'il n'y a même pas 10 euros devant. Et donc, c'est très bien pour la collectivité parce qu'il vaut mieux quand même aider à moins consommer ceux qui ne peuvent pas payer que de continuer à faire des chèques. Mais en même temps, comme il y a la problématique de traiter le problème dans la durée, il y a l'urgence. Et du coup, dans l'urgence, il y a la mise en place dans la loi d'un chèque énergie pour aider l'ensemble des familles précaires à payer leurs factures de chauffage. Parce que dans une société moderne et solidaire au 21e siècle, ne pas pouvoir se chauffer dignement en France, c'est un problème. Et ce chèque énergie, la nouveauté, c'est qu'il sera quel que soit le mode de chauffage et qu'il permettra notamment pour ceux qui sont en précarité dans le monde rural où il y en a de plus en plus dans des grandes maisons isolées, chauffées au fioul, d'être aussi aidés dans le paiement de leurs factures. D'accord. Toute petite question pour qu'on avance. Si on prend un peu de hauteur, de perspective, l'ADEME fait des scénarios à quelques années, 2030, 2050, rien que ça. Que disent ces scénarios sur, juste en quelques mots à ce stade, sur des chemins possibles ? Très, très rapidement. Ça a été fait, moi je suis à la tête de cette belle maison depuis 18 mois, le travail avait été initié par mon prédécesseur et c'est une très belle intuition, François Loss, de dire, réfléchir à des scénarios de construction d'un avenir possible, d'un avenir désirable qui ne soit pas un avenir régressif. Parce que proposer une mutation pour être dans une situation de retrait, c'était inenvisageable. Et nos scénarios ont montré qu'il était possible d'atteindre le facteur 4 à l'horizon 2050, de réduire massivement notre consommation d'énergie et de faire un rééquilibrage du mix énergétique et de proposer une société désirable à l'ensemble de nos concitoyens en faisant que l'énergie, contrairement à l'historique, on n'est plus du temps du soviet où la croissance de l'énergie faisait la croissance de l'économie, mais de penser que la croissance de l'économie serait d'autant plus possible et compétitive qu'elle se baserait sur une décorrélation avec la croissance de l'énergie. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la loi. Et cela, on l'a montré, démontré. Et évidemment qu'indépendamment des problèmes technologiques qui sont fondamentaux, il y a l'action sur les comportements. Et on est en train de terminer un nouveau travail qui vient enrichir ce premier travail sur énergétique, sur consommation des consommateurs. Donc, y compris la manière de comment on consommera demain, après-demain. Et donc, d'ici une quinzaine de jours, on devrait donner un certain nombre d'éléments qui montrent que là aussi, la contribution de l'ensemble de nos concitoyens à mieux consommer, être plus dans le qualitatif que dans le quantitatif, ferait qu'on pourrait aussi contribuer à atteindre ces objectifs. Et même mieux, on démontre que ceux qui peuvent aujourd'hui beaucoup consommer, vous savez qu'il y a eu l'explosion de la consommation depuis des décennies, ceux qui n'accèdent pas à la consommation pourraient mieux consommer et plus y accéder dans nos scénarios. Très bien, je me tourne vers Bernard Devers, qui avait fondé et présidé Habitat et Humanisme. Donc on revient, on ne l'a d'ailleurs pas totalement quitté, à la question du logement, qui est un point fondamental pour les personnes en situation difficile. Quelle est votre vision des choses ? Vous aviez présidé à l'écriture d'un livre, il y a 3 ans, dans lequel vous étiez un peu critique sur la question écologique et du développement durable. En tout cas, sur une certaine façon de l'envisager.
je ne sais pas si on était critique, mais en tout cas, on soulignait les difficultés de l'acte de construire. Et l'écologie ne doit pas être un frein à cet acte de construire. En revanche, l'écologie doit finalement poser la question du sens de cet acte. Et il ne s'agit pas finalement simplement de bâtir des murs, d'élever des murs. Il s'agit au fond, pour bien bâtir, il faut bâtir des ponts, ou au moins des passerelles, pour qu'il y ait davantage de liaisons, de relations avec les êtres, et notamment avec les personnes en situation de fragilité. Au fond, la situation actuelle, c'est en fait des hommes et des femmes, des gosses, qui attendent, et qui ne cessent d'attendre, et qui désespèrent d'attendre. Vous savez, c'est Michel Serres qui dit, c'est un vrai drame d'ailleurs, notre société privilégie son argent au détriment de ses enfants. Et c'est 600 000 enfants, 600 000 gosses, qui sont victimes du mal logement. Et le mal logement, c'est un des syndromes de la pauvreté, de la précarité. 600 000 enfants. Quand il y a un tel mépris de l'enfant, et je crois que ça rejoint finalement ce qui nous rassemble ce matin, c'est quel avenir ? On voit bien qu'il y a une invitation à une audace pour précisément bâtir autrement et construire autrement. Alors cette audace, on va sans doute en parler, c'est pour, au sein d'Habiter Humanis, cette approche d'une réconciliation de l'humain et de l'urbain, une réconciliation de l'économique et du social. Ça peut paraître tout à fait de l'ordre de l'utopie. Et quand on regarde les 30 dernières années, il y aurait quelques raisons de me dire ce matin, mais finalement, qu'est-ce que vous avez fait en 30 ans ? La réponse, elle n'est pas de l'ordre de l'anecdote, mais en fait, elle est quand même, effectivement, elle souligne une considérable insuffisance. On n'a logé que 18 000 familles, dans des familles qui étaient dans des situations de grande fragilité et qui ont pu trouver à partir de ce logement une possibilité, en fait, d'accéder à une reconnaissance de ce qu'ils sont. Moi, j'aime bien Joseph Brzezinski, qui souligne précisément que l'audace, et en fait, et aussi c'est toute cette approche qui est une ouverture, de dire qu'il faut tenter de faire comprendre aux personnes fragilisées leur histoire, et surtout pas que cette histoire soit pour eux, en fait, une histoire qui déshonore, mais nous faire comprendre aussi et faire comprendre à ceux qui sont en situation, on va dire, en fait, d'exercice du pouvoir, enfin, de mieux comprendre les raisons pour lesquelles le pouvoir conduit, les formes de pouvoir conduit des hommes et des femmes en des situations de très, très grande fragilité. Et donc, notre approche sur l'acte de construction, c'est à la fois de ne pas en faire simplement un acte économique, ne pas en faire seulement un acte financier, mais est-ce que cet acte peut précisément être traversé par d'autres perspectives de celles d'une plus grande humanité ? C'est François Pérou, ce grand économiste, qui disait qu'en fait, la société sera véritablement une société humanisée que lorsque son économie marquera une attention à ceux qui sont en situation de vulnérabilité. Se prendre soin est quand même singulièrement absent. Vous parlez de ces sujets qui traverseraient la question de la construction. Est-ce qu'on peut penser que construire plus écologique, c'est aussi construire plus social ? Est-ce qu'on peut concilier les deux ? Et comment ? Écoutez, ne pas construire en marquant une attention à l'écologie, d'abord, c'est grave par rapport, en fait, à la nature. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, je pense que je ne serai pas démenti, toute personne nouvelle qui arrive en France, enfin toute personne pour qui on construit, ça représente, ramener en fait au mètre carré, c'est 1450 mètres carrés pour chaque personne qui entre, en fait, à qui on offre un logement. Quand on construit un logement, quand on ramène la totalité en fait de l'acte de construire en France, c'est 400 000 logements, enfin on n'est pas à 400 000 logements, donc ça fait ça représente 1450 mètres carrés en fait par personne. C'est ce qu'on appellerait l'empreinte écologique, c'est ce que ça demande
comme emprise sur nos ressources. Ça demande comme emprise comme ressources. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où l'étalement des territoires entraîne comme conséquence l'éloignement des plus fragiles. Et ça donne finalement ce plafond de verre. On ne fait sans jeu de mots. On ne veut rien voir, absolument rien voir. Hein. Et pendant ce temps, finalement, des gens désespèrent. Et ce mal logement, c'est un mal qui n'en finit pas. Alors, je trouve qu'en fait, il y a une question tout à fait importante de se dire, mais si en 60 ans, hein, si on prend en fait le cri de l'abbé Pierre, qui marque une référence par rapport à cette conscience d'un drame, on voit qu'en 60 ans, le mal a empiré. Il y a quelques raisons quand même de se poser une interrogation et de se dire si en 60 ans on n'est pas arrivé à trouver des réponses qui endiguent au moins ce mal logement, mais non, c'est un mal qui n'en finit pas. Alors il en finit d'autant moins aujourd'hui qu'en fait on se dit, mais ça a été souligné donc je ne veux pas répéter, de dire finalement la situation de crise est une situation aussi de blocage. Alors la question c'est peut-être de se demander si on est rentré en fait en situation de crise ou si en fait l'activité telle qu'elle est développée ne constitue pas les raisons de la crise. Et à ce moment-là, prenons en cause en fait, en situation ces causes, il y a sans doute une invitation à s'inscrire dans un autre moment, ou pour parler, j'espère que le mot n'est pas prétentieux, finalement, susciter un autre paradigme. Il me semble précisément que cette attention, cette vigilance à l'écologie, c'est aussi une chance pour parvenir à diminuer les inégalités sociales, à diminuer cette fracture sociale. Et si je vous suis, là on entend bien que l'étalement urbain, dont on sait qu'il est une cause d'artificialisation des sols, je crois l'équivalent d'un département tous les 7 ans, c'est-à-dire qu'un jour on se demande, je faisais le calcul, alors je suis désolé, je faisais le calcul ce matin sous ma douche, en prévision de notre débat. J'ai des trucs, mais bon, je me demandais dans combien d'années on n'aurait plus de terres à cultiver en France pour nous nourrir. Bon, alors ça nous mène quand même au 22e siècle. Néanmoins. Mais vous touchez quelque chose qui est de l'ordre de l'absurde. Si on n'en finit pas, voilà, ça va nous mener très loin. Et donc, c'est toute la question, en fait, dans le livre, ce mal logement qui n'en finit pas, hein, tel était le livre, c'est précisément de dire que. Quand on parle de densité, immédiatement, ça soulève des objections extrêmement fortes en disant, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils n'ont aucun sens de l'écologie. Alors attention, le problème de la densité, hein, il ne faut pas en faire une caricature. Il ne s'agit naturellement pas de s'inscrire en fait sur des tours, mais entre le pavillon, la et construction la pavillonnaire et la tour, il y a sans doute en fait aujourd'hui un modus operandi à rechercher. D'accord. Donc quand même, rapprocher tout le monde des villes et des cœurs des villes, c'est ce qu'il faut faire. Mais alors bien sûr, mais quand on dit ce qu'il faut faire, ça ne peut pas se faire en fait dans cette situation telle que nous la concevons sur le plan politique, tant qu'on n'aura pas réglé la question des sols, tant qu'en fait on consentira à ce que le foncier soit véritablement une rente foncière. D'accord. Et tout ce qui est de l'ordre de la rente, précisément, travaille contre la justice. Très bien. Alors, nous avons 7 étudiants avec nous qui ont des questions à vous poser. Est-ce qu'on a un micro pour les étudiants? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Oui, il y a un micro là-haut qui descend. Voilà, ils sont ici, devant. On va commencer par vous. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez? Il y a deux universités grandes écoles qui participent, et puis on écoute votre question. Alors moi je suis étudiante en sciences politiques à l'université Paris 1, donc là où nous nous trouvons. Donc je m'appelle Cécile Pépin. J'aurais une question, alors elle n'est pas spécialement dédiée à un intervenant puisque je reviens un peu sur tout ce que vous avez pu dire, notamment surtout vous monsieur Langevin, en fait j'ai plutôt repris vos propos. Vous nous dites que l'écologie aujourd'hui elle coûte cher. On est dans un temps où effectivement si on veut faire de l'écologie, si on veut être nous plus écologiques, ça nous coûte de l'argent. Dans le même temps, les pauvres sont de plus en plus pauvres, ça c'est un fait. Alors à ce moment où on veut les aider justement,
où la loi de transition énergétique doit permettre d'aller contre la précarité énergétique, d'aller contre ces gens qui se retrouvent à ne plus pouvoir se chauffer, quand dans un même temps on nous dit que le prix de l'énergie va forcément augmenter. Ces gens-là, si on veut les aider, est-ce que la loi de transition énergétique, finalement, elle va permettre plus de justice sociale par plus d'égalité? Est-ce qu'on va aider ces gens-là? C'est l'État qui va payer, donc l'État, c'est nous, c'est nos impôts. Est-ce que finalement, cette loi de transition énergétique, elle va être une loi autant écologique que de justice sociale, ou est-ce que finalement ça va être encore un effet d'annonce et que dans quelques temps on va nous dire c'est comme l'écotaxe, c'était très bien, mais finalement on va laisser tomber parce que ça va nous coûter trop cher? Très bien, on a pris note de votre question, on va prendre une deuxième question chez votre voisin qui se présente également. Bonjour. Bonjour, William Yadjel, je suis étudiant en droit public également à Paris 1. Et ma question portera sur les propos que vous avez tous rappelés, qui est de la volonté de déconstruire les conventions sociales, de déconstruire d'une certaine manière notre modèle productiviste. Et on voit qu'il y a deux chemins. Aller vers une croissance verte, donc continuer à consommer, mais consommer mieux des produits écologiques avec une empreinte écologique plus faible, ou la décroissance. Quel est pour vous le chemin qui serait le plus souhaitable, la décroissance ou la croissance verte? Ok, pardon, vous pouvez me redire votre nom s'il vous plaît? William Yadjel. Ok, merci. Alors, déjà deux questions. Qui commence? Monsieur Legevin, je crois que c'est vous qui étiez interpellé sur la première, la loi sur la transition énergétique. Est-ce qu'on va se faire racketter? Une loi n'est pas parfaite. Une loi, c'est un compromis. C'est un équilibre, ça crée des insatisfactions pour ceux qui sont plus audacieux et ça crée de l'inquiétude pour ceux qui disent on ne va pas y arriver. On a à peu près réussi cet exercice. Ce qui est important par rapport à la question que vous posiez, mademoiselle, c'est que la question sociale est intégrée, je crois, en termes de volonté politique dans la réussite de cette transition progressive écologique et énergétique. Sur deux aspects. Un des éléments les plus importants, indépendamment de la loi, c'est la dynamique de rénovation énergétique des bâtiments. J'y faisais allusion tout à l'heure. L'objectif de rénover 500 000 logements par an, ça ne s'est jamais fait. C'est considérable. Pour cela, il faut une volonté politique. Il faut une articulation de l'ensemble des politiques, de la cohérence, de la mise en action de tous les acteurs. Et je crois qu'on est dans cette dynamique-là. C'est essentiel parce que, indépendamment de cet objectif, il y a la possibilité pour un secteur économique sinistré de créer une dynamique économique. On pense au métier du bâtiment, et là, on est dans des emplois non délocalisables. On est dans une obligation de qualité, parce qu'il ne suffit pas de rénover, il faut bien rénover pour atteindre les objectifs de réduction de consommation. C'est pour cela qu'il y a aussi été adopté, dans la dynamique d'ailleurs du Grenelle, et reprécisé là ce qu'on appelle le sigle RGE, reconnu garant environnement, c'est-à-dire que l'ensemble des aides qui pourront aider les particuliers pour financer les travaux seront assujetties à un label RGE, donc il y a une éco-conditionnalité. Après, pour les familles les plus précaires, je disais tout à l'heure que c'est l'ensemble de nos concitoyens qui seront aidés à faire cette rénovation. Mais comme on sait que le coût et le retour sur investissement est long, c'est pas évident d'arriver à mobiliser. Ceci étant, au-delà du retour sur investissement, des gains potentiels, il y a aussi la valorisation du patrimoine qui est souvent sous-estimée. Pour les familles précaires, il y a des aides qui, comme je disais tout à l'heure, peuvent aller de 80, voire parfois plus, jusqu'à 100%, parce que de toute manière, ils n'ont pas un copec pour pouvoir financer. Et que pour la collectivité, vaut mieux financer une rénovation des passoires thermiques des précaires pour diminuer le coût de leur facture, que de toute manière, ils ne peuvent pas payer, et que la collectivité ou les associations doivent aider à payer. Sauf que la question écologique de la rénovation des bâtiments, on est dans une temporalité beaucoup plus longue, donc il y a un problème d'urgence sociale. C'est pour ça qu'il faut accompagner, y compris par le biais du chèque énergie, qui devra, j'espère, être adopté, et qui sera accessible, il sera universel pour l'ensemble des populations précaires, 5 millions de personnes, et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est la logique des deux. Donc cette question, elle est prise en compte. Juste deux mots sur croissance verte. Pour moi, croissance verte, ce n'est pas décroissance. Et donc, je ne vois pas comment on peut proposer un modèle de croissance plus sobre, et mobiliser
et rendre la transition énergétique et écologique désirable si on propose de la décroissance. Dans nos scénarios, et je vous invite à aller les explorer et les découvrir, dans nos scénarios, la croissance verte, la transition énergétique avec la réduction la diminution de la consommation se fait avec une dynamique de croissance. Croissance différente, plus sobre, et c'est ce modèle-là qu'il nous faut inventer. Alors, Madame Joanneau, peut-être directement sur cette question croissance-décroissance, comment vous positionnez les choses ? Oui, c'est dommage, j'avais des choses à dire sur le racket. Dites, vous avez le droit. Non, c'est juste que j'essaie de. On ne pourra pas tous répondre à toutes les questions. Quand on dit ça va coûter cher, aujourd'hui, ce qui coûte cher, c'est les 60 milliards quasiment de factures énergétiques. C'est les 6 milliards de subventions ou de dépenses fiscales en faveur des énergies fossiles. Ça coûte cher. C'est le système de protection sociale qui vide la maladie. Et qui donc, aujourd'hui, ça nous coûte cher, faute de vraie prévention, notamment dans le domaine de la santé, environnement. Ça nous coûte cher. Et ça, c'est bizarre, parce que c'est finalement une dépense qui est légitime, alors que la dépense écologique serait jugée par certains illégitime. Bon, passons. Alors, croissance. Non, mais ça fait du bien de le dire. Très bien. Croissance verte, décroissance. En fait, là, je reviens aux fondamentaux. La croissance, aujourd'hui, est mesurée par le PIB, et donc par une somme de valeurs ajoutées. C'est un indicateur de flux qui a été créé dans un moment de la révolution industrielle où, effectivement, ça avait sa raison d'être à l'époque. Hein, on était vraiment dans une logique de production quantitative, mais c'est historiquement daté. Et cet indicateur, il est merveilleux parce qu'il est très heureux quand vous avez un accident de la route. Il augmente. Il est très heureux quand vous avez une déforestation massive. Il augmente aussi. Il est très heureux de la maladie. Il vide la maladie, cet indicateur. Alors, il a d'autres vertus. On ne va quand même pas trop caricaturer les choses. Mais l'indicateur de PIB tel qu'il est construit est un indicateur de flux qui ne prend pas en compte l'état de notre capital environnemental et humain. Mais alors, quand on pense croissance, dans l'illusion collective, alors. On a un vrai travail de fond à faire. C'est un travail qui a été Dominique Méda et porte cette question depuis un bout de temps, Patrick Vivray aussi. C'est un travail qui a été remis sur le devant de la scène avec Amartya Sen et Joseph Stiglitz et Fitoussi aussi en France, qu'on a laissé en plan, mais qu'il faut reprendre. C'est-à-dire que pour moi, ce débat autour de croissance verte, qui suppose d'ailleurs que soit un petit bout de la croissance ou des croissances, est un faux débat. Le vrai débat est de savoir quelle est la valeur collective qu'on va définir comme notre valeur de bien-être. Et dans cette valeur collective, il me semble par exemple que la question du bénévolat qui va représenter jusqu'à 17 milliards d'euros en France est une question qui doit être prise en compte. L'état de notre capital environnemental, qui est celui qu'on va vous léguer à vous, est une question qu'on doit prendre en compte. Parce que tout à l'heure, vous disiez 2050, c'est de la théorie. Mais en 2050, ma fille, elle a 45 ans. C'est pas de la théorie, c'est mon âge. Donc pour moi, c'est pas de la théorie. Et en 2050, vous en aurez peut-être 55, à peu près. Donc c'est le véritable enjeu aujourd'hui. Donc sur la croissance verte, décroissance, l'enjeu, c'est quelle création de richesse au sens le plus noble du terme. Si je vous demandais pour vous quelle est la plus belle richesse que vous souhaiteriez partager, je ne suis pas sûre que vous la réduisiez à une somme de valeur ajoutée. Effectivement. Alors, on poursuit les questions, et puis pour Monsieur Devert et Lutz aussi. On vous écoute. Merci de vous présenter et de nous dire d'où vous venez. Bonjour à tous. Noé Bugeaud, étudiant à Bordeaux en droit, et sciences politiques et services civiques. Très bien, on écoute votre question. Alors, Madame Joanneau, vous avez rappelé que les politiques sont le reflet de l'électorat. Et il faut savoir qu'une partie de l'électorat des Verts a voté pour M. Hollande pour certaines promesses qui ont été remises en question. Ma question est de savoir comment on peut donc défendre le plaidoyer de cette minorité en fait, hein, qui demande de répondre à des nécessités écologiques et donc remettre en question la règle de la représentativité pour répondre aux nécessités. Merci pour votre question. On va pouvoir c'est un peu polémique, c'est bien. Merci. Et, alors attendez, on va prendre une deuxième et puis non mais on revient, je vous promets. Deuxième question, c'est pour faire avancer la discussion. Bonjour. Bonjour, Paul Carouen. Donc je suis étudiant à Subbiotech. Votre prénom, pardon? Paul Carouen. Ok, Paul. En biotechnologie. Donc j'aurais une question pour l'ensemble des intervenants.
J'aurais aimé savoir si vous pensiez que le système actuel de financement des recherches puisse permettre aux politiques de créer des angles morts. Et si oui, est-ce qu'on pourrait envisager un rapprochement entre écologues et écologistes pour éviter ce problème-là ? D'accord. Donc de créer des situations qu'on n'a pas vues et qui seraient dommageables. Voilà. C'est ça. Ok. Ok. Alors, donc, Madame Joanneau, sur, je vous réserve la question vers PS. Celle de Noé. Non, j'ai pas. Il parlait de plaidoyer des minorités. Le plaidoyer des minorités. Non, je ne vais pas rentrer dans la polémique vers PS. C'est pas ce que vous attendez, je pense, ici. La question est comment est-ce qu'on peut améliorer le système de représentativité pour être sûr, et effectivement, que certaines voix se fassent entendre. Alors, au-delà du débat sur les modes de scrutin proportionnels ou pas proportionnels, on manque un peu d'expertise dans le débat politique aujourd'hui. C'est lié effectivement à un système de temps qui est un rouleau compresseur, que vous vivez d'ailleurs aussi vous-même, qui fait qu'il y a peu de temps de recul de débat pour la réflexion. Mais ça, c'est une chose. Je pense qu'il y a deux points. On manque d'expertise ou d'expertise alternative ? On manque d'expertise contradictoire. D'accord. Parce que d'expertise, il y en a. Elles sont quand même dominantes. Il y a de l'expertise, mais en fait, le débat, c'est qu'elle soit contradictoire. Ce qui est important, c'est de se mettre dans la peau de l'autre et de voir quelle est, quand on regarde un objet comme ce verre d'eau, chacun va le voir avec un angle différent. Et donc, chacun va le décrire avec un angle différent. Sa réalité sera toujours la même, mais si vous ne prenez qu'un seul angle, vous n'aurez pas sa réalité. Donc, c'est un peu le même problème dans le débat politique. Or, aujourd'hui, on peut tout à fait imaginer que dans certaines instances politiques, on peut tout à fait imaginer qu'au sein du Sénat, on intègre certains experts. On peut tout à fait imaginer, parce que le problème aussi, c'est celui du temps politique. Le temps politique, le mandat le plus long, c'est un mandat de 6 ans. On parle d'un jeu de 50 ans. Et donc, quand on prend des décisions, on n'a pas la garantie de la soutenabilité des décisions. Voilà, quand on évoque les problèmes, je ne vais pas faire de polémique, de Notre-Dame-des-Landes ou du barrage. Aujourd'hui, qui peut dire ce que sera l'avenir de cet investissement dans 50, 70 ans ? Il y a des études d'impact, honnêtement, elles ne le disent vraiment jamais. Et personne ne peut dire, là, ça ne tient pas la route. Hein. Pour nos enfants, ça ne tient pas la route, donc on arrête tout. Donc il nous manque une chambre, une instance qui ait une forme de droit de veto si des projets sont insoutenables. Ça pourrait être, alors bon, évidemment, je plaide pour ma paroisse, donc je pense que le Sénat pourrait tout à fait faire avoir ce rôle. Et puis d'ailleurs, ça lui avec sa réputation conservatrice, vous pensez vraiment ? Non, mais on peut l'enrichir. Il n'est pas si conservateur que ça. Je vous invite à regarder la plupart des propositions ou des projets de loi. Par exemple, les projets de loi sur la défense des lanceurs d'alerte et autres, ça vient du Sénat. Les positions dans le domaine de la bioéthique sont plus avancées au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Comme moi, quand j'ai négocié le Grenelle, j'ai eu plus de succès au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Donc certes, parfois, c'est un problème finalement d'apparence physique, ça. C'est que vous voyez le verre d'un seul côté. Bon, on va s'arrêter là, ça va déraper. Donc on peut tout à fait imaginer que le Sénat ou une autre instance, voire une instance juridictionnelle, ait ce rôle. Ça, c'est un vrai enjeu. On n'a aucune garantie de la soutenabilité des décisions, qu'elles soient, que ce soit les lois ou les grands projets politiques, les grands projets publics, pardon, aujourd'hui en France. Monsieur Lutz. Oui, c'est pour continuer sur cette réalité d'angle mort et ce que Mme Joanneau vient de dire sur le fait qu'il faut vraiment regarder les choses de différents côtés. Au fait, les personnes en situation de pauvreté, ils sont dans l'angle mort de la société. On sait trop peu ce qu'elles vivent réellement et aussi ce qu'elles pensent. Et donc, voilà, il y a aussi un défi là, auquel on veut beaucoup travailler à TD Quart-Monde. Ils font part des actions, entre autres, comme nos universités populaires à TD Quart-Monde, et aussi des démarches de croisement des savoirs. Parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Si on veut aussi vers plus d'équité, quelque chose, ça c'est une réalité qui est quelque part dans un angle mort, je pense, parce que je ne comprends pas. Foncez aussi un peu pour mettre du piment dans le débat. Mais si je veux louer un jet privé pour aller, mettons, d'ici à Bordeaux,
le taux de TVA qui va s'appliquer, c'est 5,5%. Alors vous avez le choix. Est-ce que c'est un produit de première nécessité ou du spectacle vivant ? Merci pour cette excellente question. Je pense qu'il était dans l'angle mort de tout le monde. Qui montre au passage d'ailleurs que, quelle que soit sa situation, précaire, extrêmement précaire, pauvre, très pauvre, on contribue à l'œuvre collective parce qu'on paye la TVA. Tout à fait. Ou alors c'est qu'on est tellement exclu, c'est qu'on n'a même plus un franc pour dépenser, et donc à ce moment-là, on ne paye plus de TVA, mais on est totalement, on n'est plus dans la société. Juste un tout petit mot sur la question du droit des minorités, de la prise en compte. Pour moi, la question écologique, elle ne doit pas être prise en compte au regard du poids d'un parti politique. La question écologique, elle doit être prise en compte parce que c'est une ardente nécessité, que c'est une obligation et que c'est une question d'intérêt général et qu'on n'a pas le choix. On doit juste la prendre suffisamment en compte pour transformer cette obligation en opportunité. Donc pour moi, la question ne se pose pas de trahison, pas de trahison. C'est un combat collectif général, quel que soit le poids des partis par rapport à cette question. On avance sur les questions avec mademoiselle. Et la recherche. On va revenir sur la recherche. Oui, oui. Les écologues et les écologistes. Bonjour. Donc, je suis étudiante à Subiotech. Je m'appelle Alexandra Sylvain. Bonjour. Donc, ma question, c'est dans le contexte d'une transition énergétique européenne, il va y avoir des inégalités. Et donc, du coup, je voulais savoir quels pourraient être les projets particuliers ou les solutions à mettre en place afin de remédier donc, à ces inégalités. Okay. Donc là, vous, ce qui vous intéresse, c'est l'angle européen, c'est ça ? Bonjour. Bonjour, Alexis Resgui de l'école Subiotech. Alors ma question s'adresse aux quatre intervenants. Partant du fait que pour juger de manière juste un tiers, il est nécessaire de distinguer les inégalités légitimes de celles illégitimes, comment une société juge-t-elle de ce qui est considéré comme étant justement illégitime ? Alors attendez. Vous allez répéter la question s'il vous plaît pour que tout le monde écoute bien. Attention. Alors, partant du fait que pour juger de manière juste un tiers, il est nécessaire de distinguer les inégalités légitimes de celles illégitimes, comment une société juge-t-elle de ce qui est considéré comme étant illégitime ? Vous avez 3 heures. Et vous ferez tout ça sur papier recyclé, s'il vous plaît. Alors, ok, et il reste, on va prendre la dernière question, comme ça on aura fait le tour, parce que quelque chose me dit qu'on va y passer un peu de temps. Oui. Bonjour, Arthur Corbin, étudiant en Master 2, Coopération internationale et politique de développement à Paris 1. Je suis également vice-président de l'Association de sciences politiques de Paris 1. Ma question première, elle est pour Monsieur Devers. Le caractère non économique est souvent mis en avant par les détracteurs d'une vision écologique de l'habitat, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que le logement écologique et économique peut être le logement de demain ? Ensuite, j'ai une deuxième question très brève. C'est concernant plus la politique et les politiques en général et nos partis politiques. Est-ce que le problème en France n'est pas qu'on a un parti écologiste, mais que en fait, toutes les familles politiques françaises devraient représenter et devraient avoir cette position écologiste en son sein pour qu'on ait un vrai avenir écologiste en France. Merci. Alors, beaucoup. Merci pour toutes vos questions passionnantes. Comme on va élargir le débat à la salle, je vais juste demander à chacun d'entre vous quatre de choisir une de ces questions à laquelle vous souhaitez répondre. Alors, Monsieur Devers, il y en a une qui vous était, qui était dirigée vers vous directement. Peut-être on commence par vous, et je n'oublie pas la question sur la recherche. Alors je voudrais quand même, effectivement, sur la question des inégalités légitimes et de celles qui ne le seraient pas. Ah, c'est vous qui y allez courageusement, là. Oui, parce qu'en fait, c'est véritablement au cœur de nos engagements. Je crois qu'on ne peut pas consentir à ce qu'il y ait des inégalités, de dire elles sont légitimes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça voudrait souligner que finalement, il y aurait des sous-hommes, quoi. Et je crois que ça, c'est absolument pas acceptable. Vous savez, c'est Vladimir Jankélévitch qui dit que le devenir n'est rien d'autre que de l'être toujours naissant. Et nous avons constamment à naître. Et il me semble que, précisément, ce débat sur la question de l'audace, c'est une invitation à entrer dans une anthropologie qui soit celle à partir de laquelle, reconnaissant ces inégalités légitimes ou illégitimes, mais refusant précisément toute légitimité à des inégalités, nous sommes appelés à passer de cette reconnaissance à une naissance. Et quelle naissance ? C'est celle précisément de ce qui peut apparaître pour beaucoup de cyniques
finalement une anthropologie de l'impossible. Et vous, vous avez la chance de cette jeunesse. Au regard de cette jeunesse, vous êtes là pour bâtir et non pas vous inscrire finalement dans une situation à partir de laquelle, finalement, en vous écoutant, je pensais à Dostoïevski qui dit que si la rançon de cette société, c'est en fait la brutalité d'un enfant à l'égard d'un enfant, alors je rends, disait-il, je rends mon billet. Les uns les autres, nous ne voulons pas rendre notre billet, d'ailleurs, si vous ne seriez pas, nous ne serions pas là. Mais nous voulons bien précisément tenter de faire en sorte que ce billet soit pour un voyage, ce voyage de l'intériorité, ce voyage à partir duquel nous sommes appelés à susciter un autre monde. Je ne veux pas être trop long, mais il me semble qu'au regard de ce voyage de l'intériorité, il y a ce très beau conte. C'est celui d'un enfant qui dit à son maître, « Maître, est-ce qu'il y a des étoiles le jour ?» Et le maître de lui répond, « Mais bien sûr, mon enfant, et vois-tu, les étoiles du jour, elles brillent infiniment plus que les étoiles du jour, de la nuit. »« Je vois rien, dit l'enfant, je vois rien. » Alors, dans ce conte, il conduit l'enfant dans un désert, c'est-à-dire dans ce lieu où l'on déserte précisément les inessentiels, où l'on déserte finalement cet « ici et maintenant » pour pouvoir s'inscrire dans un avenir. Il y a l'enfant, regarde, l'enfant dit, je vois rien. Alors il lui dit, tu ne peux pas rester au bord des choses. Il te faut descendre au fond du puits. Nous l'avons compris, c'est finalement au fond de chacun d'entre nous, au plus intime de nous-mêmes, qu'il y a cette possibilité de voir ces étoiles du jour, elles brillent plus que les étoiles de la nuit. Et ces étoiles, alors, elles nous conduisent sur un chemin. Ça a été assez évoqué en vous écoutant aussi les différents intervenants, c'est de souligner que ce chemin, nous avons à prendre un chemin. Et un jour, prenant son chemin, il devient le chemin. Nous souvenons par contre de ce mot de Simone Weil, la philosophe, c'est le difficile qui est le chemin. À ce difficile, nous sommes appelés. Très bien. Madame Joanneau. Merci. Oui, j'étais plutôt sur la dernière question, évidemment, oui. Sur la question purement de la famille politique. Purement politique. J'aurais bien intervenu sur les inégalités, mais on n'a pas beaucoup de temps. Évidemment que c'est naturel et c'est logique de considérer que les partis, tous les partis politiques devraient intégrer cette question, puisque finalement, cette question, c'est la question des faits tels qu'ils sont. Les faits tels qu'ils sont, c'est la contrainte énergétique, la rareté des ressources, les impacts sanitaires des différentes pollutions, la contrainte alimentaire à venir, il ne faut pas la négliger, cette contrainte alimentaire, l'impact des changements climatiques, on pourra en reparler. Donc ce sont des faits qui invitent tous les partis politiques à redéfinir leurs projets. Le vrai sujet aujourd'hui, moi, que je trouve le plus intéressant, c'est que en fait, ça nous invite surtout à redéfinir quel doit être le rôle de la puissance publique, fondamentalement. Le rôle de la puissance publique, normalement, c'est la satisfaction des besoins premiers. Donc on y met traditionnellement la sécurité et la justice, ça c'est pas très, très compliqué. Mais ensuite, la question est de savoir, est-ce qu'on y met le logement dans la satisfaction des besoins premiers? Aucune émancipation n'est possible si vous n'avez pas de logement. Est-ce qu'on y met l'alimentation? Comme je vous le disais, attention, l'alimentation, ça va être un vrai défi d'avenir. Dans sa quantité et dans sa qualité. Et c'est ce débat-là qui est extrêmement intéressant, c'est d'inviter les partis politiques à redéfinir ce que l'on met sous le terme de besoin premier. Et là, vous arrivez à résoudre le débat qui est celui qui nous occupe aujourd'hui, à savoir entre écologie et justice sociale. On voit bien que, par exemple, dans le domaine du logement, notamment vers les personnes les plus défavorisées, on est sur une logique d'investissement public. Normal. On est sur une logique d'investissement public. De la même manière, une alimentation de qualité. Les dégâts, quand vous regardez toutes les grandes épidémies de ce siècle, que ce soit le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, toutes les différentes maladies comme le cancer, elles ont toutes un lien avec votre alimentation et votre activité physique. Et là aussi, nous, on a eu des débats internes dans le think tank écolo-éthique sur la consommation durable.
qui conclut qu'il faut, pour les personnes les plus défavorisées, avoir alors l'équivalent du chèque énergie, du chèque vert, pour une alimentation de qualité. Et d'ailleurs, cette alimentation, fondamentalement, elle n'est pas tellement plus chère. C'est qu'on a des tas de conventions qui nous invitent effectivement à aller vers des produits qui sont assez nocifs pour la santé. Mais en tout cas, nous avons conclu que là, c'était du ressort de la puissance publique. Donc c'est en ça que c'est intéressant, effectivement. Ça ne peut pas être délégué à un parti. Et tant que ce sera délégué à un parti, on aura du mal à faire évoluer fondamentalement le débat politique. Merci. Il y avait une question, je crois, d'Alexandra, avec un angle un peu plus européen sur cette question des inégalités. Je pense que M. Léchevin et M. Lutz, qui avaient en plus une vision transfrontalière, vous pouvez peut-être répondre. Si on pense que notre avenir est européen, je vois, la question de la transition énergétique écologique, d'un nouveau modèle de société, pourrait être une sacrée chance, une sacrée belle opportunité de réconciliation de nos concitoyens avec l'ambition européenne qui est un peu mise à mal aujourd'hui puisque l'Europe est responsable de tous nos maux. Est-ce que ça pourrait même pas être le projet européen ? Ben, aujourd'hui, je pense que globalement, il ne suffirait pas de grand-chose pour que ceux qui sont dans leur gène plutôt d'esprit européen, mais très déçus du manque d'ambition européenne, du manque de sens, voilà un beau projet fédérateur. D'autant plus que la question qui nous est posée, c'est une question qui n'est pas que française, qui n'est pas que européenne, mais qui est mondiale. Parce qu'il y a plein d'éléments qu'on ne peut pas aborder dans le débat. Mais derrière cette question qu'on aborde, c'est la question d'une autre répartition des richesses et des ressources et un rééquilibrage au niveau planétaire. Donc y compris qu'il y ait une mobilisation de cette question-là au niveau européen, ça me paraît fondamental. En plus, et je vois bien la difficulté, c'est qu'on a des cultures, des modèles énergétiques différents. Donc on ne va pas rêver à construire demain ou après-demain le beau modèle énergétique cohérent au niveau européen. Mais on peut quand même esquisser des choses. Hier soir, j'étais avec le président, le patron de mon homologue allemand, l'ADENA. On a des choses à faire avec les Allemands. Ils ont des choses à nous apporter. On a des choses à leur apporter. Et donc la coopération en matière de transition énergétique et écologique au niveau européen, en bilatéral et plus globalement au niveau européen, c'est fondamental. On a un grand événement l'année prochaine en France, c'est COP21. Si la France, qui est leur grand organisateur de COP21, elle ne montre pas déjà un début de chemin. Elle n'est pas déjà en capacité de montrer des exemples, d'être quelque part exemplaire, et qu'y compris elle entraîne l'Europe. Mais comment on va pouvoir peser utilement, efficacement, dans le concert des décisions qui doivent être prises à l'échelle planétaire ? Monsieur Lutz, sur cet angle européen. Oui. J'avais plus envie aussi de continuer sur la question d'inégalité, mais on peut l'appliquer aussi sur l'inégalité. C'est libre, je fais des propositions de discussion. Entre pays européens, parce que voilà, ça s'applique aux individus comme aux pays. La question de l'inégalité, c'est assez complexe. Parce que intuitivement, on sent tous que il y a des inégalités qui vont trop loin, qui font mal, qui deviennent injustes, qui sont inacceptables. Et dans le même temps, une totale égalité, on sent bien que c'est impossible. Donc, il faut beaucoup affiner les choses. Il faut se demander égalité ou inégalité en quoi. À un moment donné, M. Paul Boucher, qui est un ancien président du mouvement ATD Quart-Monde, pour la loi, la grande loi de lutte contre la pauvreté, il a introduit dans l'article 1er la notion d'égale dignité. En fait, on doit aller vers une égalité en une dignité. C'est une tentative pour devenir plus précis. Il y a aussi des gens qui disent il faut aller vers une égalité des chances. Il y a d'autres tentatives, peut-être dans le domaine économique. Il y a Amartya Sen qui dit il faudrait quand même permettre à chaque personne, mais on peut aussi l'appliquer au pays, de pouvoir avoir des projets et de pouvoir les réaliser.
Donc, ces différentes approches de quel genre d'égalité on essaie de réaliser. Il y a aussi des paradoxes et pour la discrimination, par exemple. Discrimination qui est aussi une souffrance pour beaucoup de personnes en situation de pauvreté. On peut être discriminé pour plein de raisons. Pour lutter contre la discrimination, on pourrait dire simplement traitons du traitement égal. Du traitement égal, donc il n'y a pas de discrimination. Eh bien, ce n'est pas si simple comme ça. Justement, parce que chacun est dans une situation très, très différente. Il y a de beaux images sur Internet qui circulent par rapport à ça. Un bonhomme tout petit et un bonhomme très grand, et à tous les deux, on donne un billet pour un match, je sais pas, de foot ou de rugby, au premier rang. Ben, traitement égal, parfait. Sauf que là, il y a une barrière là, et le petit bonhomme, ben, il ne va rien du match, et le grand bonhomme, oui. Et donc, au petit bonhomme, pour être juste, il faudrait lui donner un banc pour se mettre dessus. Traitement inégal. Donc, c'est un traitement inégal. En fait, pour enlever la discrimination. Donc, c'est très complexe. Ok, merci, monsieur. Oui, monsieur Devers, il y avait parce que je veux pas qu'on la laisse traîner. C'était ça dont vous voulez parler, oui. La question sur le logement écologique et économique. Tout à fait. Non, ça rejoint effectivement le propos qui vient d'être indiqué sur les questions des inégalités. Et comme Mme Joanneau me précisait, il faut bien distinguer en fait inégalité et en fait les questions de la différence, hein, bien évidemment. On est bien dans cette approche des inégalités par rapport à la question du logement. Le logement, quand on regarde les villes, comment elles se construisent à travers des inégalités et dont la cause est précisément en fait le terrain, le foncier. Alors, je l'avais souligné, et une des causes des inégalités, c'est quand même précisément ces rentes foncières. Vous allez me dire, mais comment vous pouvez, c'est encore de l'utopie, de penser qu'en fait on peut casser en fait cette logique économique. Alors, naturellement, si on ne veut rien casser, en fait, on ne sortira jamais des inégalités. Je crois que la question, d'ailleurs, ce n'est pas le mot « casser ». C'est en fait, il s'agit de faire éclore un autrement. Et entrer dans cette éclosion de l'autrement, c'est bien entrer dans l'audace, précisément, d'un avenir. Et alors, il y a des lois. Il y a, en fait, on est très marqué par le droit romain. Vous allez me dire, oui, mais enfin, le droit romain, ça fait très conservateur. Oui, mais enfin, il y a parfois, en fait, des actes conservateurs qui conservent l'avenir. Et c'est peut-être bien cette perspective. Nous, on souligne au sein d'Habiter Humanis, on demande aux politiques, on demande, en fait, faire en sorte que l'acte de construction soit précisément soit lié à travers ce qu'on appelle le démembrement de la propriété. Enfin, je ne veux pas être trop technique, le sujet n'est pas là, mais de tenter de dissocier, en fait, la valeur du terrain du coût de la construction. Aujourd'hui, on construit sur un prix de 1200, 1300 euros du mètre carré. Comment ça se fait qu'on sort en fait à des 3500, 4000 euros du mètre carré? Donc en fait, il y a une grande marge à travers des approches en fait juridiques et financières. On peut aujourd'hui maîtriser en fait le coût du logement, faire du logement, je n'aime pas dire du logement social, mais d'ailleurs du logement bienveillant, du logement à partir duquel finalement on va créer les conditions, non pas tant du vivre ensemble, parce qu'il faut faire attention à travers cette expression, le vivre ensemble, même si nous on l'utilise un peu trop rapidement, mais mettons en place les conditions de rapprocher les personnes, et ce rapprochement-là va permettre en fait de travailler vers un faire ensemble et peut-être un vivre ensemble. La réponse qui est souvent qu'on entend, mais vous n'y pensez pas, nous on veut du logement social qui soit en fait un logement qui soit pérenne. Donc, achetez les terrains. Si vous n'achetez pas les terrains, comme on bloque effectivement un certain niveau de prix, eh bien, naturellement, il faut construire ailleurs. Donc, c'est aussi la question, en fait, aussi de ce débat, de la question, en fait, de l'audace de l'avenir. Est-ce qu'en fait, construire le logement social, c'est penser que les personnes seront toujours dans le logement social? Et donc, c'est créer les conditions pour un avenir, et c'est sans doute aussi les conditions de faire advenir un autrement chez chacun. C'est très clair. On va prendre des questions de la salle. Il y a une main qui se lève ici, une autre ici et une autre ici. Voilà, on va prendre trois questions. Je vous demande d'être extrêmement direct dans vos questions. Est-ce qu'on peut avoir le micro pour monsieur? Bonjour.
Bonjour, merci. Christophe Rouvière, je suis dirigeant d'une entreprise spécialiste dans le financement de l'innovation dans l'environnement et dans les technologies propres. Et je voudrais proposer quelque chose de très audacieux à Monsieur Lechevin. La France est 6e mondiale en matière de dépenses de R&D et nous ne sommes que 22e au niveau de l'innovation. Et l'un des problèmes fondamentaux du système français, c'est que l'argent ne peut pas aller par construction dans l'innovation industrielle. Je suis intervenu au 7e colloque de l'ADEME le 14 octobre dernier sur le sujet du problème du capital. Tout le système de financement français repose sur un postulat qui est faux. À 1 euro de capital privé, l'État va amener 1 euro de capital à travers BPI et l'ADEME ou d'autres agences très spécialisées, excellentes, vont apporter entre 40 et 50% d'aide, d'avance remboursable ou de subvention. Avec la crise financière et les lois qui ont été apportées de Bâle III et de Solvency II, les banques et les compagnies d'assurance qui étaient les principales pourvoyeurs de fonds des fonds d'investissement se sont retirés massivement du capital risque et du capital de l'early stage, justement. Et donc, une chose qui est pour moi absente de ces débats, c'est ce que vous avez dit, monsieur Devers, c'est qu'il faut réussir, c'est le défi de notre société, de réconcilier l'économique, le social et l'environnemental. En France, nous avons un atout extraordinaire pour le faire. Il faut avancer vers votre question. Alors, ma question est la suivante. L'ADEME, aujourd'hui, a 2 milliards d'euros avec les investissements d'avenir, qui ont du mal à être dépensés, on pourra en reparler, monsieur Lechevin, et je pense qu'on parle beaucoup des territoires, il faut décentraliser, et l'ADEME pourrait créer les conditions de cet investissement en capitalisant, donc êtes-vous prêt à étudier une possibilité de que ce soit vous, l'ADEME, qui soyez le premier investisseur, que vous soyez le premier euro, parce que vous pouvez entraîner des filières industrielles entières derrière vous. Question très précise et très claire, on va prendre la deuxième question, monsieur, et puis... Madame, je vous ai perdu. Qui levait la main. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous chacun proposer une loi concrète pour la croissance verte qui aussi réduirait l'inégalité sociale? Merci. Très bien. Madame. Est-ce que c'est obligé d'être une loi? Ça peut être une idée. Ah, une idée, d'accord. Moi, bon, je pense qu'il y a là un autre débat, mais bon, on ne l'ouvrira pas maintenant. Madame. Bonjour, je suis Violaine Duchâtelier, je suis la fondatrice d'un journal pour les personnes en situation de précarité qui s'appelle Debout. Madame Joanneau, vous disiez que l'écologie était quelque chose qui se traitait quand on avait de l'argent. Moi, je crois qu'elle se traite aussi quand on la comprend et quand on sait en parler et quand on la rend accessible par une information concrète, par des initiatives. Je crois vraiment que les personnes en situation de précarité, les démunis, manquent d'informations accessibles sur ce sujet pour pouvoir agir concrètement. Alors, première question très directe, monsieur Lechevin. C'est possible ou c'est pas possible que l'ADEME investisse dans des projets? Le problème aujourd'hui, dans la situation économique où on est, c'est l'attractivité des aides. Donc, monsieur pose une bonne question. C'est pas l'argent de l'ADEME, les 2 milliards. Alors, heureusement, les 2 milliards, monsieur faisait référence aux investissements d'avenir, qui est un des objets que l'ADEME pilote pour les domaines de compétences qu'elle a dans un projet plus global qui est issu du grand emprunt. Aujourd'hui, on a un vrai problème d'attractivité et je vous propose que l'on puisse en discuter parce qu'on pourrait se retrouver dans une situation où il y a de l'argent disponible. Il ne circule pas. Et on ne peut pas faire monter les projets. Il y a un problème d'attractivité des projets, aussi bien d'ailleurs pour dans des grands projets que des moins grands projets. Donc il y a un vrai, vrai sujet. Là, vous avez cité l'investissement d'avenir, mais il y a d'autres problématiques. À l'ADEME, gère le fonds chaleur. Le fonds chaleur, c'est peut-être un peu technique, c'est juste un des éléments essentiels pour réussir les objectifs de transition énergétique, notamment en matière de chaleur renouvelable. Si on n'évolue pas sur les modèles économiques, on risque de ne pas y arriver, alors que là aussi, il y a l'argent disponible. Donc, il y a vraiment globalement un problème d'attractivité. Sur la question de la loi, je suis assez étonné qu'un jeune puisse dire « on n'a pas assez de loi, il en faudra une nouvelle ».
comme si on va réussir tout ce qu'il faut. Et je suis un homme d'engagement, d'intérêt général. J'ai une responsabilité fabuleuse d'un opérateur public. Donc, je n'ai pas de problème de rapport avec la loi. Mais on est en train d'essayer d'en terminer une. Pour moi, pour y arriver, ce n'est pas plus de lois, plus de réglementations, plus de contraintes. Ce qu'on a besoin, c'est de l'incitation, c'est de la stimulation. Et donc des plans d'action, une prise en compte de ces problématiques par les territoires, parce qu'évidemment, la solution, elle est dans les territoires. Donc, je n'ai pas de proposition de nouvelle loi à vous proposer. Alors, merci. Est-ce que... c'est un vrai débat, un vrai sujet. Monsieur Lutz, est-ce que vous avez une proposition de loi ou autre chose, en tout cas, à proposer, si ce n'est pas une loi ? Bon, il faut évidemment essayer d'avancer sur tous les plans. On s'intéresse beaucoup à ce qui va se passer dans la transition énergétique, dans la loi, pour les personnes qui sont en situation de pauvreté. Mais dans le même temps, on sent aussi beaucoup qu'il y a besoin de citoyens et citoyennes qui bougent, qui sont créatifs, qui sont créatifs dans une diversité. Et qu'il y a des projets qui s'élèvent, qui sont peut-être à petite échelle, et où on expérimente de nouvelles façons de faire. Il y a beaucoup à chercher dans l'interaction, dans une société où il y a quand même des problèmes d'isolement, pas seulement chez les très pauvres, mais aussi dans d'autres couches de la société. Il faut inventer des choses dans ce sens-là, qui sont des formes d'augmentation de la qualité de vie qui ne coûtent pas plus d'émissions de CO2, peut-être au contraire. Si Monsieur Lechevin et moi, tantôt, on va s'inviter à dîner ensemble, eh ben, l'un de nous deux pourra baisser le chauffage chez lui ce soir. Et on aura du bon temps ensemble. Bon, c'est évidemment c'est des simplifications. D'y aller à vélo. Je risque un peu. C'est un message qui est trop simple, mais ça donne une direction. En tout cas, une chose est sûre, c'est que par ailleurs, quand on se rencontre et qu'on vient avec une idée, on repart avec deux idées. Donc, en plus d'économiser l'énergie, vous aurez peut-être encore plus d'idées. Auriez-vous une loi à proposer où j'ouvre, comme je l'ai fait précédemment, une idée ? Je vais d'abord répondre à madame et après je réponds à la question de la loi. Pardon, je suis impertinente, mais vous nous y invitez par l'audace. D'abord, pour répondre à madame, je n'ai pas dit que l'écologie, c'est quand on avait de l'argent. Je vous ai dit exactement l'inverse, mais c'est effectivement la tentation ou l'argument principal dans le débat public en général. Effectivement, l'écologie, il faut la comprendre, il faut avoir des clés pratiques, puisque notamment, il y a énormément de clés extrêmement intéressantes dans la lutte contre le gaspillage. Et d'ailleurs, ce qui est passionnant, c'est de voir que beaucoup de systèmes d'économie collaborative, qu'on appelle un peu système D, sont nés justement de personnes qui ont été confrontées à la difficulté. Et ça crée un business system extrêmement intéressant. Alors, il y a des initiatives qui ont été prises. Hein, je ne veux pas répondre à la place de Bruno, mais l'ADEME met en place des conseillers info-énergie qui ont un rôle maintenant un peu plus large, d'ailleurs, puisqu'ils ne s'intéressent pas qu'à la question de l'énergie. Ils ont mis en place des systèmes de points mobiles pour aller à la rencontre des personnes, parce que c'est pas le problème, en fait, pour beaucoup de personnes défavorisées, c'est que c'est compliqué d'aller franchir des portes et des barrières où il y a des barrières de langage, des barrières, voilà, on estime que c'est pas pour nous de rentrer dans ces lieux. Et puis il y a toute la diffusion d'informations que vous pouvez faire avec les bons mots. Parce que nous aussi, on a une incapacité à utiliser les bons mots. On parle avec nos mots. Vous, ici, vous les comprenez. Ils sont... Mais ce n'est pas vrai dans tous les univers. Et encore, peut-être que vous ne les comprenez pas, mais vous êtes poli, donc vous ne dites rien. C'est sympathique. Sur la loi... Peut-être que l'audace, ce serait d'être moins poli. À la politesse, c'est une convention sociale. J'aime bien, d'ailleurs, le terme anglais « no politeness ». Parce que la politesse, c'est une convention sociale. Et la politesse, moi qui m'intéresse beaucoup aux relations hommes-femmes,
maintient une certaine forme de hiérarchie. Mais on va s'arrêter là, ce sera un autre débat, c'est pour l'année prochaine. Et puis on sait que vous êtes ceinture noire, alors hein. On ne va pas aller sur ce terrain-là. Ah, mais de toute façon, vous étiez d'accord avec moi. Est-ce que j'ai le droit de vous dire non ? Évidemment, alors, et ce n'est pas de la démago. Sur la question des lois, je m'inscris un peu dans la ligne de Bruno. Vous savez, on a discuté, sans rire, hein, 30 minutes, on était en pleine nuit, pour savoir, au nom de l'égalité, s'il fallait que les tests de grossesse soient distribués ou non dans les grands magasins. On y a passé 30 minutes pour faire un amendement, enfin, donc, dans le cadre d'une loi globale. Et je me suis dit, mais enfin, c'est vraiment pas le rôle du législateur. Tout ça, c'est du bon sens. Ça n'a pas à aller jusqu'au législateur. Donc, effectivement, on a énormément de lois. Mais le vrai problème, le vrai là où on devrait faire des réformes, c'est d'abord la réforme institutionnelle. J'y reviens. La réforme institutionnelle, tant que le système politique est orienté, décidé et inscrit dans un cadre de court terme, on aura beaucoup de mal à intégrer ces enjeux qui sont vraiment des enjeux de long terme. Et dans le système politique, la pluralité des points de vue, comme je vous l'expliquais avec mon verre d'eau, qui est une nécessité, parce que là, aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs qui viennent, qui ont l'habitude de venir et de franchir nos portes, et qui viennent parce qu'ils défendent leurs intérêts. Et donc, ce qui explique d'ailleurs, en grande partie, qu'on reste dans un système, et la France est une économie de rente. L'idéal républicain de la France, qui est merveilleux, qui est liberté, égalité, fraternité, quand vous regardez dans le système éducatif, on est l'un des pays de l'OCDE où l'origine sociale des parents influence le plus les résultats scolaires. Je le dis de l'éducation, mais je pourrais le dire de nombreux autres sujets. Donc tant que, idem, on n'aura pas cette pluralité des points de vue, et pas simplement dans la représentation politique, on aura du mal à lutter contre cette économie de rente et ne pas avoir systématiquement que le discours des intérêts acquis. Et puis la deuxième grande réforme, c'est un dada pour moi, c'est la révision du PIB. Vous avez cité Amartya Sen, il est venu, il a d'ailleurs, je crois que le discours final était à la Sorbonne, c'est la révision du PIB. C'est vraiment là pour un débat collectif public extrêmement passionnant. Extrêmement passionnant. Et il est porté aujourd'hui par l'UNESCO parce que les autres grandes institutions n'ont pas vraiment voulu le porter. Une courte réaction de M. Léchevin et puis la loi de M. Devers. Oui, juste pour dire que la Moco Cadix a eu une influence positive sur le PIB. Ça fait des bottes. Voilà. C'est la caricature absolue. Donc, totalement d'accord avec ce que vient de dire Chantal. Juste nuancer mon propos tout à l'heure. Pas de loi, mais quand même. Un élément essentiel où l'État peut agir, c'est une réorientation de la fiscalité. Et la fiscalité écologique, quand on voit tous les échecs, Chantal y a fait allusion, il faut qu'on en tire des enseignements pour comprendre pourquoi on s'est planté. Alors bien sûr qu'il y a trop de fiscalité. La question n'est pas faire l'addition de fiscalité. La question, c'est de penser là aussi la fiscalité autrement, et donc pas une fiscalité additionnelle, mais une fiscalité différente qui sanctionne moins le travail, qui sanctionne moins certaines valeurs et qui valorise d'autres valeurs, notamment celles écologiques. Monsieur Devers. Sur la question de la loi, je trouve que c'est une bonne interrogation. Si on veut briser un peu, en tout cas atténuer les inégalités, on a besoin de lois. Sans la loi Solidarité et Renouvellement Urbain d'il y a 12 ans, on n'aurait pas avancé dans cette approche d'une plus grande diversité sociale. Donc la loi... Cette loi qui permet, pardon... Qui conduit à imposer aujourd'hui 25% de logements dits sociaux, en fait, dans les communes qui ont plus de 3500 habitants. Donc ça a été une loi qui a permis en fait d'insuffler une autre approche de l'acte de construire. Sur la question par rapport de l'écologie et puis l'acte de construire, il me semble qu'il y aurait une loi tout à fait intéressante sur, alors ça, c'est lié, je rejoins effectivement Bruno, sur l'approche en fait du transfert un peu des questions de fiscalité. Sur les immeubles de bureaux, vous avez ce qu'on appelle en fait des immeubles à chauffage positif. En fait, l'énergie permet d'être revendue. On consomme
les besoins de l'immeuble, parce que la production est supérieure en fait aux besoins. Ça serait tout à fait intéressant qu'il y ait aussi cette approche-là en fait au niveau des immeubles d'habitation. Et les populations les plus fragilisées s'en retrouveraient bien. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'en fait, il y a un coût. Seulement, la question du logement, elle est en France très, très liée à la question des béquilles fiscales. Vous supprimez, vous atténuez les béquilles fiscales et vous assistez à un effondrement du marché. Et pour relancer le marché, alors il faut naturellement remettre des avantages fiscaux. Lesquels avantages? D'ailleurs, on rentre ensuite dans le prix du logement. Tout le monde s'habitue en fait à cette perfusion et on demande en fait le malade, parce qu'en fait le mal logement, c'est aussi ce malade, demande naturellement un peu plus de perfusion, un peu plus de drogue. Et en fait, c'est un cercle absolument sans fin. Mais il y aurait quand même une invitation à faire en sorte qu'il y ait une perfusion sur la question de l'aide fiscale pour précisément des immeubles d'habitation qui soient à chauffage positif. La pauvreté y gagnerait, je veux dire en fait elle reculerait, au sens elle reculerait, et nous, ça permettrait d'atténuer très largement des inégalités. Eh bien, sur cette proposition audacieuse et malheureusement, puisque le temps imparti qui nous est imparti est écoulé depuis 5 minutes déjà, nous allons devoir rendre l'antenne, mais je vous invite à poursuivre la discussion entre vous. Je vous invite également à participer aux autres débats cet après-midi. Si ces questions écologiques vous intéressent, il y a notamment un débat sur le climat et l'avenir climatique à 14h30. Voilà, merci à tous et je vous demande de remercier chaleureusement nos intervenants. Et merci également aux 7 étudiants pour leurs interpellations. À bientôt. What's at the end?